Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va monter trois numéros. Donc, cette vidéo, c'est le numéro 12, 13 et 14 de la 2 chevaux spot. Donc, enfin, c'est le numéro 12, c'est donc les pièces dans ce numéro. Le montage, c'est le même que le numéro 10, ou bon, je sais plus, le 10. Voilà, et le numéro 13. Juste après. Alors, c'est là. Donc, on va reprendre donc cette pièce-là qu'on avait montée le numéro précédent. On reprend également. Cette pièce-là qui est fournie dans ce nouveau numéro. Et on va mettre ça où il y a le petit marquage. Je peux vous voir bien, comme ça. Voilà. Ensuite, vous prenez cette pièce qu'on vient de recevoir. Et celle-ci. Donc vous mettez ça, alors ici, et au trou. Et là, juste ici, le trou. Comme ça, comme ça. Voilà. Il y a une vis. Avec une vis PS02, c'est le seul. Juste ici. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va prendre ces pièces-là et on va les mettre juste ici. Mais bien sûr, le crochet. L'espace ou le truc, il est là. Hop. Donc où il y a le petit crochage, juste ici. Comme ça. Et on met donc une vis PS02. Une vis là. Voilà. Voilà pour ce numéro 12. Ensuite, voilà pour ce numéro. Le numéro 13. Voici dans toutes ces pièces. Voilà, on va mettre ça sous côté. Hop. Donc le numéro 13. Voici les pièces. Là sera le démarreur et boîte de vitesse. Donc le montage. La suite. Et la partie finale. Intéressant. Et le numéro 14 sera juste après. Alors.
Donc, on va prendre cette pièce-là. Et on va prendre également une décrocée. Ah, une décrocée intérieure. Il y a un problème, oh, il est sous con. Ah, ils sont vraiment abrutis. Ah oui, il arrive comme tout le matin. Celui-là. Oui, et puis cette pièce-là, qui est abîmée maintenant parce que j'en ai avec le ciseau. Bon, ça se verra pas, c'est intérieur. Donc, on va prendre ça pour le mettre à l'intérieur, comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez prendre cette toute petite pièce. Ainsi, et vous allez la mettre. Dans ce petit trou. Ah. En dedans. Ouh là là. C'est petit, hein, ce truc. Bon. Excusez-moi. Oh, ben dis donc. Bon, je l'ai fait tomber. Bon. J'ai pas passé 2 heures avec ce petit truc quand même. C'est le quête qui m'a dit non. Après, si j'arrive pas, bon bah je mettrai, je sais pas si j'en ai besoin jusqu'au bout. Bon, après je le mettrai hors caméra parce que je vais pas passer 2 heures non plus avec ça. Ah, quand même. Voilà. Eh ben non. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, vous prenez cette pièce-là.
et vous mettez ça, hop, vous retournez comme ça. Voilà. Ensuite, vous prenez celle-ci, vous le mettez donc comme ça. Hop. Voilà, comme ceci. Hop. Ensuite, vous mettez une vis PS01. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, on va prendre cette pièce qu'on a montée dans les numéros précédents. Je vais prendre également cette pièce-là. Et vous allez donc. Alors. Juste ici, il y a un petit espace avec le trou là. Comme ceci, suite. Mais ça, comme ça. Et vous mettez une vis. Une vis PS08. C'est bon. Et ensuite vous prenez donc cette mosaïque qu'on vient de faire dans le numéro précédent et vous allez donc encastrer tout ça voilà comme ceci et vous mettez donc une vis et on va mettre cette vis. Voilà. Donc, on va mettre une vis où? Ah oui, ici. On va mettre une ici. Une vis PS, EDS, pardon, 01. C'est des zéros. Ah non, pardon, c'est pas celui-là. C'est DS01. Et oui, c'est pour pas la bonne, ça va pas le faire. Et puis ici, c'est des ans également.
Mais voilà. Voilà pour ça. Ensuite, on va prendre. On va prendre celle-là, ouais. Cette pièce-là qu'on a montée dans le niveau précédent. Et on va le mettre hop, comme ça. Hop, comme ça. Et on va mettre une vis DS01. Voilà. Et enfin, et ça c'est DS01. Et ensuite, l'indice DS06. Comment ça, DS06, c'est un compte? Là, oui. Là, c'est peut-être ici qui parle. Donc là, on va mettre une ici également, c'est DS06. Mais là j'en mettrai pas, je sais pas du tout les mettre tout. J'aurais qu'à là, non, il n'y a rien du tout à mettre. Hein, bon ben voilà. Voilà pour ça. Alors ensuite. Je sais pas ce qui s'y parle. Ah oui, je suis bête. C'est ça qui parle. Voilà, je lui ai marqué sur la compte. Donc on va mettre ça comme ça, cette pièce-là, ici. Voilà, comme ça. Et donc on met donc une vis DS06. Hop. Voilà. Ensuite, alors ça, vu que j'ai pas de mètre de règle, pardon, je vais prendre les mètres. Il faut 95 mm avec ce câble. Et ce câble-là, je vais le mettre juste ici, là, le téton. Voilà. Ensuite,
l'autre bout qui reste. Parce que j'en ai également un seul. Qui aurait qu'à 120. Alors, on va mettre le plus petit. Donc ici, et le plus gros. On va le mettre comme ça. Ici, dans le trou. Plusieurs comme on a une vitesse en fonction dans le petit trou. Ouais. Dans le trou, hop, ici. Voilà. Voilà pour ça. Et attends, parce que j'ai pas coupé. L'un c'est 95 et l'autre c'est. Après, si les câbles sont trop petits, ce n'est pas grave. Je crois le numéro 14, je ferai dans une vidéo. Voilà. Le câble peut être petit, mais c'est pas grave, tu vas peut-être changer de câble d'une autre couleur. Donc voilà pour ça. Donc ça, ici le reste du fil, on va le mettre. Et l'autre là. Ah oui, pardon. On va mettre sur cet objet-là. À cette pièce et on va la mettre ici. On va plutôt le petit ici et le reste du câble juste ici. Voilà, voilà pour ça. Donc voilà pour ce numéro 13. Voilà pour ce numéro. Hop. Terminé. Donc, il reste décrocher la sera juste après sûrement. Donc je vais, normalement c'était prévu là. C'est prévu que je fasse le numéro 14, mais le numéro 14 je ferai dans une autre vidéo. Il dure déjà 20, près de 25 minutes de vidéo. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, à tout de suite pour le numéro 14 dans une prochaine vidéo. Salut.